Motorboat Magazine, nous sommes au 62e salon de Gênes en compagnie de Paolo Lomanto qui est le directeur commercial du chantier Lomac. Et Paolo, bonjour déjà. Bonjour à vous, bienvenue. Merci. Et donc on est à bord du Lomac Turismo 7.0, le tout nouveau Lomac. Quoi. Impeccable. Voilà. Ça est la première fois qu'on montre les derniers bébés qu'on a fait. C'est le premier bateau d'une nouvelle gamme qu'on va développer pendant les prochaines, je pense, 4 ans, avec comme idée le plus petit, le 7.0, jusqu'à arriver à 9. Ouais. Donc, et on verra, c'est-à-dire qu'on écoute toujours notre réseau, les besoins de notre réseau. J'ai déjà écouté des demandes pour un 7.0 plus petit, il y a des marchés, les marchés du nord d'Europe, comme la Norvège, m'a demandé un bateau plus petit, mais on verra. L'idée du projet, c'est un gamme complet. D'accord. Donc, on a au début pensé de faire un bateau, parce qu'on a beaucoup écouté les besoins des réseaux, par exemple de la France, qui nous a demandé un bateau avec la longueur maxi de moins de 7 mètres. Pour la taxe, en France, exactement. On a la taxe à 7 et mètres. Et plus avec un grand carré arrière pour s'amuser, pour manger, passer de bon temps arrière. D'accord. Donc, dans toute notre gamme de bateaux, on a bien pensé de ne pas utiliser la même coque qu'on a dans notre caveau. Et on a pensé de faire quelque chose de nouveau. Et on est arrivé au point de faire un nouveau bateau, mais avec le style de pour hasard, de l'ancienne gamme Turismo, ou ouais, de faire quelque chose de nouveau. On a bien pensé que c'est le moment de faire un bateau au niveau d'un grand tourisme, au niveau d'un AD, comme AD c'est Adrenalina, mais vous, comme français, vous l'appelez AD. On l'appelle AD, c'est vrai. Au niveau de la coque, et de faire quelque chose qu'il n'existe pas dans l'OMAC. Donc, un gamme plus petit d'un grand tourisme, mais avec les performances dans l'eau et avec le plaisir de naviguer d'un grand tourisme dans une taille plus petite. Donc, voilà. Donc le premier le premier, ouais. Exactement. Nouvelle carène tous, si vous le regardez de côté, c'est évident que c'est une carène qui n'existe pas. Et avec cet esprit-là, on a pensé à un bateau pour n'importe quoi, quelles conditions de vente, de mer, des vagues. Bon. On a eu l'occasion de le tester tout à l'heure, effectivement. Parfait. Dans les vagues. Et ouais. Je suis content. Un bateau custo, ouais. Un bateau un petit peu militaire dans l'esprit, donc avec les poignées inox pour les passagers, pour être... C'est vrai qu'on a des mains courantes un peu partout là. Ouais. Exactement, ouais, ouais. Avec cet esprit-là, mais c'est un bateau même pour la famille, pour un couple sportif, c'est un bateau avec plusieurs de publics, et nous sommes très contents des résultats de ce projet-là. On a travaillé toujours avec Federico Fiorentino, che pour le design. Oui, exactement, pour le design et pour le design de la carène. Donc, on a pensé que c'est l'esprit meilleur pour faire un bon produit. Donc, le travail ensemble de l'OMAC, avec l'idée de l'OMAC, le bon design de Federico. Federico, oui. Et tous ensemble, on a créé beaucoup. On a créé deux lignes, et ça, c'est la troisième. D'accord. Eh bien, Paolo, merci beaucoup. Merci à vous.